coach Ousmane, première séance avec les U18 féminins, qu'est-ce qu'on peut retenir déjà? Oui, d'abord, merci. On a fait notre première séance aujourd'hui en préparation externe. Donc ça s'est très bien passé. On l'a fait avec l'effectif qu'on avait retenu. Donc maintenant, on a un peu travaillé sur les fondamentaux offensifs, le jeu rapide, la transition. Donc ensuite, on a commencé à mettre en place une organisation au niveau du jeu offensif. Voilà. Alors, 21 joueuses, est-ce qu'elles ont toutes répondu à l'appel? Oui, 21 qui ont été retenues. Mais finalement, on s'est entraîné avec 20 joueuses. Donc, il y a une joueuse qui a été écartée. Donc, mais ça s'est bien passé avec 21. Tout ça, c'est un début. Même, c'est prévu de réduire l'effectif après la première semaine. Voilà. Oui, ça va, c'est assez raisonnable, abordable, parce que il faut le dire, les filles, les enfants, ça fait longtemps qu'ils n'ont pas joué au basket par rapport aux pandémies. Donc les équipes aussi, ils n'avaient pas repris leurs entraînements. Donc ils viennent de reprendre le basket après 6 mois d'absence. Donc c'est normal qu'il y ait des insuffisances physiques. Mais je pense avec le temps, donc là, avec la préparation, ils pourront revenir physiquement par rapport à certains niveaux. Alors, est-ce que vous avez prévu plus tard de prendre des expatriés ou c'est un groupe composé de joueurs locaux seulement? Oui, vous savez, ça, c'est la présélection au niveau national. Pour le moment, nous avons actuellement 20 filles. Maintenant, il y a des filles qui ont été ciblées de l'extérieur vers le Canada, vers les États-Unis et la France. Maintenant, vous savez, il y a un suivi. Donc, au niveau administratif, la fédération s'occupe de ça. Maintenant, on attend de voir par rapport à la disponibilité des filles ciblées de l'extérieur, c'est ce qui seront disponibles pour rejoindre le groupe.